t'es un très grand amateur de lecture. Ouais. Tu lis apparemment au-dessus de 2 livres par semaine. Ouais. C'est vraiment ta force. T'adores ça. Oui. C'est quoi que tu vas chercher dans les livres? Bien, j'aime ce que c'est rendu un peu que tu lis le livre, mais finalement tu vois plus les mots. T'es carrément dans le personnage. Là. Ça m'arrivait souvent quand je lisais Cherub ou plusieurs autres séries. Je me prenais pour le personnage, puis j'étais rendu que c'était comme un film dans ma tête. C'était vraiment génial, mais ça me transportait ailleurs, puis tout. Là. Parce que c'est ça, la lecture, contrairement à un film ou quoi que ce soit, c'est toi qui inventes tes personnages, ouais. C'est toi qui les imagines, là. Ouais, à partir des traits caractéristiques qu'ils nous donnent dans le livre, là. Mais c'est pas vrai ça. Puis là, ben, on est chanceux, tu vas commencer à nous faire des petites rubriques sur les livres que tu vas lire, puis donner tes impressions. Okay. Fait que ça peut encourager d'autres ados à lire, puis c'est toujours gagnant. Ça, ouais. Parce que moi, je trouve que la lecture, c'est une grande passion, puis j'encourage le plus de monde à le faire, puis ça donne beaucoup de vocabulaire pour l'école, puis tout ça donne beaucoup de vocabulaire quand t'en as besoin. C'est bon. Ben merci beaucoup, puis on va travailler ensemble, mon James. Ouais. Ça fait super plaisir de t'avoir rencontré. Ouais, moi aussi.